ça va super. Donc, comme beaucoup le savent, je suis encore célibataire. Mais voilà, on garde la tête haute et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau haul Shein. Alors, je ne suis pas la galère pour refaire ce haul. J'ai déjà commencé à tourner, puis mon téléphone ne voulait plus réenregistrer parce que mon stockage était complètement saturé. Je ne pouvais plus rien faire avec mon téléphone. Donc, j'ai fait un investissement, un MacBook. Donc, du coup, je peux continuer à faire mes vidéos. Donc, c'est très bien. Je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Shein, bien évidemment. Comme d'habitude, le lien de tous les articles en biographie ainsi que le code promo, le lien du site, tout tralala. Alors, en premier, j'ai pris ce pantalon que j'ai déjà porté une fois. J'étais un peu choquée quand j'ai vu la taille du pantalon. Il est immense. Je vais vous mettre sur l'écran une photo de ce que ça donne porté. Même si je vais le mettre, mais je vais vous montrer ce que j'ai vu pour qui m'a dit tiens, je vais prendre ce pantalon là pour voir ce que ça donne. Si je mets les pieds à mes pieds, il arrive là et ça touche le sol. J'en ai marre de tout le temps que les pantalons ils soient tout le temps trop petits. Enfin pas trop petits, mais comme je suis grande et j'ai des longues jambes, à chaque fois ça m'arrive au-dessus des chevilles et je déteste. J'aime bien que ça m'arrive bien en dessous. Voilà ce que ça donne. Où est-ce qu'il arrive? Il est super grand. Je suis dégoûtée. J'ai pris cette blouse. Donc ceux qui m'ont vu à la soirée beau bordel qui m'a coûté ma rupture. J'avais mis cette blouse là. À la base elle est blanche comme mes rideaux. Sans faire exprès je l'ai mis avec le linge pas blanc. Et du coup il est devenu rose. Ça se voit pas très bien à la caméra mais je vous jure qu'il est rose. Je vais quand même vous montrer ce que ça me portait, mais j'ai vraiment la haine. D'ailleurs si quelqu'un a des astuces pour le retrouver blanc comme neuf, comme mes rideaux, vous voyez la différence du coup voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai vraiment la haine. J'adore ce top. Comment moi je le porte, mais on peut le porter de plusieurs façons. Par exemple en croisant les bandes. Et voilà, donc ici il y a une armature. Ici je trouve ça trop beau. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je suis sortie avec cette blouse là et tout le monde m'a dit que c'était trop beau. Donc les filles n'hésitez pas, il y en a plein sous Shein, des modèles comme ça. Donc franchement n'hésitez pas. Là il est un peu transparent. J'ai intérêt à mettre quelque chose en dessous. Donc en gros vous allez me dire mais c'est un gilet normal, basique. J'aime trop. Ça aussi je le vois partout en ce moment et j'aime beaucoup trop. Par contre je suis un peu dégoûtée qu'on va pas travailler. Bon, c'est trop beau. C'est des petits tops qu'il faut préparer l'été. C'est des petits tops comme ça. Donc j'ai pris en bleu, en blanc, en noir et en brun. Ce que ça donne. Franchement les filles profitez-en parce qu'en plus ils sont vraiment vraiment pas chers. Et il y a vraiment blindé de couleurs. Ce genre de top là ils sont hyper agréables. Ils sont élastiques et tout. Ils sont super confortables. On voit pas à travers. Le noir voilà. Basique en bleu, bah d'ailleurs le bleu c'est celui que j'avais mis avec ce pantalon là quand je suis sortie la semaine passée au Clippers. Tu vas regarder ça, enfin même pas mon pied. Le blanc, par contre le blanc, je pense qu'à la lumière on voit peut-être légèrement à travers. Pour vous dire la vérité, je n'ai jamais acheté de ma vie, je n'ai jamais porté des sandales comme ça il me semble. Mais je me dis que pour les pieds avec des petites robes ou quoi, ça peut être vraiment trop mignon. Donc ça se met autour de la cheville j'imagine et du coup ça rend comme ça. C'est super beau. Ça c'est pour ma soeur parce que si vous ne le saviez pas, elle est enceinte. Toutes les filles qui ont déjà été maman, bah, vous savez ce que c'est, hein, la poitrine. Donc voilà, elle a pris, c'est un lot en fait de 4, non même pas de 5. Donc il y a une beige, il y a une mauve comme ça, une noire, une grise et une rose, voilà. Donc ça c'est fait exprès pour les femmes enceintes. Il y a toute une catégorie pour les femmes enceintes, donc il y a vraiment plein de trucs, il y a des robes, des pyjamas, vraiment plein de choses, des pantalons de grossesse, des leggings, tout pour femmes enceintes. Donc ça c'est vraiment trop trop chouette. Ça c'est à Nolan. Mais bon, il m'a quitté, mais bon je vais quand même lui rendre parce que je l'ai quand même pris pour lui. Il y avait d'autres articles à lui, mais ça il les a déjà pris. Donc il a pris plein d'ensembles comme ça, donc il y a le haut. Celui-là il a plein de petits trous genre, vous voyez. Genre américain, tu vois, le choc qui va avec, c'est vraiment très américain. En fait, j'ai rien pris moi ici, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai pris plus que... J'ai rien pris dans cette robe. C'est une robe, évidemment, encore pour ma soeur, pour femme enceinte exprès. Donc, pour le gros ventre. J'arrive pas à savoir si les poils, elle se met comme ça ou si elle se met comme ça. Ou alors, en vrai, les deux. Moi, j'aime bien comme ça. Elle arrive quand même au genou, donc... pour le gros ventre, après elle arrive vraiment à une bonne taille de robe normale quoi. Donc c'est vraiment fait exprès pour les grossesses. Dernier lieu, j'ai pris un jean, je l'ai encore jamais mis. J'ai l'impression qu'il manque des trucs, c'est trop bizarre. Donc c'est un jean beige comme ça. Pourquoi il est tout chiffonné alors que j'ai jamais mis? Le seul truc que je trouve bizarre c'est ici. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça, c'est bizarre. Ah bah, terminé, je vous fais des gros bisous.